Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux d'être contents, bienvenue à vous sur la première vidéo et j'espère que vous êtes hystérique, hein, parce que là c'est historique. Bon, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même de vous proposer une sorte de putain 6 mois, petit clin d'œil aux gros ours, en 5 parties. Alors, bon, j'ai mis des petits titres, hein. Bon alors, enfin un petit titre surtout, genèse d'un nom projet. Alors la genèse d'un nom projet, ça sera un texte lu. Et pour la bonne et simple raison que j'ai envie de rien omettre. Hein. Parce que pour moi, c'est assez. Je pense que c'est important. Voilà. Après, peut-être que je m'en fous, mais on verra. Je reviendrai donc assez brièvement sur ce qui m'a donné envie de commencer le live. Ainsi que sur. Assez sur le début, quoi, sur sa prime enfance, hein, à laquelle il est encore finalement. On verra aussi l'ambiance générale ainsi que la communauté. Le futur de la chaîne avec des possibles projets, hein. On ne sait pas, on va voir ça. Moi j'ai des trucs en tête, mais bon, pour l'instant c'est pas encore ça. L'intronisation chez Padawan, et pour finir, ben on parlera des. Enfin, il y aura les remerciements, les fameux remerciements, c'est le passage obligé, mais ô combien mérité, mes chers amis, mes chers potos. Commençons par le commencement. Genèse d'un long projet. Donc mon projet, parce que j'avais pas prévu de faire, enfin de rester aussi longtemps, du moins, le début. Donc ce texte, c'est un texte que j'ai écrit, que je vais lire, j'espère être le plus ludique possible, je lis pas forcément très bien, je vais faire au mieux, hein, je vais prendre mon temps, je vais mettre des intonations, enfin on va faire ça à la paire castor les gars, et j'espère que ça va vous plaire. Parce que bon, parce que pour moi c'est peut-être le truc central, tu vois. Enfin voilà, c'est pour moi c'est peut-être le plus important de la vidéo, enfin voilà, avec les remerciements peut-être. Enfin voilà. Alors, genèse d'un long projet, donc le titre, je commence. Il était une fois, dans des temps pas si lointains que cela, un live de stase dans lequel je m'ébrouais avec quelques-uns de mes condisciples sur un chat bien trop étriqué pour contenir notre fougue toute juvénile, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Quelques jours auparavant, j'avais entrepris dans une démarche sociologique de pénétrer le monde du live pendant environ 2 mois pour caresser ces réalités qui m'échappaient alors. Impulsivement, je profitais d'une pause toilettage de notre cher hôte pour haranguer fébrilement la foule avec un funeste « Je vais lancer Myst, je vais lancer Myst !» Ceci sans grande conviction et surtout pour voir qui serait assez artiste pour passer d'un vide à un néant. Entendez par là, d'un live en suspens à un live pré-embryonnaire. Je fus suivi. Précédé serait plus juste, eu égard aux commentaires jonchant le chat en goguette qui côtoyait un écran noir par quelques aventuriers en mal de sensations fortes. Haletant, en sueur, je démarrais ce qui allait devenir la pierre de touche d'une ziggourate infernale, dantesque, qui nous conduirait à l'érection d'une communauté arc-en-ciel, visible que sous les douces averses de vocables sans frein de votre serviteur. Mon 11 septembre pouvait commencer. Tour à tour, j'étais mauvais, médiocre, transparent. Cherchant quelle option à cocher serait ma planche de salut, celle-là même qui permettrait de faire en sorte que mes 6 précieux futurs apôtres jouissent, sinon d'une image, au moins d'un son. Une fois quelques réglages bancals effectués, les futurs apôtres susmentionnés eurent droit à ce fameux canon en la mineur, écho logique corollaire de la non-extinction d'enceinte, qui ne devrait pas tarder à coucher puisqu'elles ont 8 mois déjà. Pendant une quinzaine de minutes, les tirs nourris de mes ratés eurent raison de la leur, et après m'avoir invectivé à juste titre, ils finirent par se soumettre en s'abonnant à cette chaîne dont ils ne pourraient jamais s'affranchir. Stase, propre et repu, avait repris sa place. Regagnant alors la chambre de notre libérateur, je faisais peine à voir, tête baissée, habit déchiré, titubant, jurant, mais un peu tard, qu'on ne m'y reprendrait plus. Je décidai de réitérer le lendemain. Mais cette fois, sur console, une touche, une seule touche, une seule maudite touche sur laquelle appuyer. Cela devrait aller, mais connaissant d'autres airs de mon engeance, je me méfiais tout de même. Après une nuit qui ne me porta aucun conseil, me voici donc armé de ma plus belle motivation, bien décidé à faire oublier l'affreux affront de la veille. The Witcher essuiera les plâtres et sera le premier jeu réellement partagé chez nous. Les aventuriers de la première heure, ceux dont j'ai parlé plus haut, ce sont 3 personnes qui ont cru sans voir, et que je me dois de nommer ici, par gratitude peut-être, par amitié certainement. M. Saster, Swaldo et Sam Fisher, je vous remercie. Je vous remercie d'autant plus que vous êtes toujours là aujourd'hui, et ce malgré la redondance de certains discours, malgré quelques jeux récurrents, malgré un aspect très art moderne, malgré un skill fantomatique, enfin, malgré beaucoup de choses.
Vous savez, j'ai appris que l'amour véritable n'est pas un amour qui se nourrit simplement de parce que, il est aussi celui qui digère les malgré. L'amour dont il est question ici me sert de métaphore pour une relation que je ne saurais définir vraiment. Et finalement, est-ce si important? De plus, dans votre chute, vous avez entraîné ceux qui, avec vous, allaient devenir la colonne vertébrale de notre chaîne. Poète Poète Kiki, Lenny Baralère et Nicolai, les murs ont été bâtis autour de vous six. Vous savez que je ne m'embarrasse pas de paroles superfétatoires lorsqu'il s'agit de vanter quelqu'un. J'essaye au contraire d'être d'une probité immaculée. Aussi, mes deux triumvirats, mes deux trinités saintes, parce que vous avez contribué à ériger, je vous remercie d'avoir mis une pièce dans la borne, et j'espère sincèrement que la partie vous sera toujours agréable. Sachez que s'il y a défection d'un ou de plusieurs d'entre vous, je ne pourrai en aucun cas vous oublier. Tenez-le vous pour dit. Je vais parler de l'ambiance générale ainsi que de la communauté. Alors dans l'ensemble, bon, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Il y a du kikou, enfin on n'y peut rien. C'est un peu le piment qui relève le plat. Et puis bon, faut donner à bouffer au modo. Hein. Les mecs, ils ont faim les mecs. Alors l'ambiance que je voulais instaurer au début, c'est une ambiance quand même familiale. C'est-à-dire avec le délire du canapé rouge, du frigo, des chiottes, etc. C'est le genre de moment, tu sais, quand le live démarre, c'est le genre de moment dans lequel tu pénètres un peu pour zapper les soucis de ta journée. Et discuter des futilités nécessaires entre potes, quoi, tu vois, les trucs que tu peux faire IRL, mais bon, voilà, là tu le fais en live, quoi. Tu vois, le concept de futilité nécessaire, moi, je trouve que c'est assez important, tu vois. Alors, pourquoi nécessaire? C'est des futilités, alors tu vas me dire, pourquoi nécessaire? Bah, finalement, ça peut t'éviter un burn-out, tu vois, en parlant du fion de la voisine, par exemple. Bon, je prends un exemple de merde, mais quand même, quoi. Bon, faut le savoir, hein. Attends, putain, imagine les gars, quoi, tu vois, bon, là, il vient d'une journée de merde, et putain, t'as vu la voisine, elle s'est baissée devant moi, elle me veut, quoi, je lui fais tout, la boîte malgache, le marteau tchèque, le tournevis moldave, enfin, tu vois, quoi, donc, et là, t'oublies ton prof de merde qui t'a mis un zéro parce que tu l'as insulté de PD, par exemple, c'est un exemple, calme-toi, fais pas ça, c'est un exemple, hein. Parce qu'en même temps, maintenant, les types sont un peu soufolés de nos jours, hein, tu les insultes de PD, ils te mettent une heure de colle, comme ça, je sais pas où va le monde, mais c'est comme ça. Alors donc vraiment pour l'heure, je suis satisfait. En même temps, on est peu nombreux. Hein. En plein rush, on doit être entre 25. Donc on est entre 15 et 25 en général. Bon, ça parle tranquille. On arrive relativement souvent à avoir des discussions intelligentes et constructives. Donc non, vraiment, je suis fier de vous. Je suis fier parce que la majorité des potos ont des trucs à dire. Et c'est en règle générale assez intéressant. On espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, je pense que pour voilà, c'est vraiment. Comme j'ai pas beaucoup de temps pour la vidéo, je vais vraiment couper les trucs, enfin je vais vraiment faire des trucs très courts. C'est vraiment pour marquer le coup. Donc voilà pour la communauté. Il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment, mais là je fais court. Et c'est ce que je voulais signaler pour moi le plus important. Bon, concernant le futur de la chaîne Twitch maintenant, bon, je suis assez chaud pour continuer. Comme je l'ai dit, bon, au départ, je voulais pas faire ça, mais bon, je suis assez chaud pour continuer, bon, pour tout ce que j'ai dit avant. Surtout que maintenant, il y a le YouTube. C'est vrai que ça prend pas mal de temps, tout ça. Donc, je vais devoir jongler entre Twitch et ici, YouTube, donc. Et je vous avoue que je suis assez tenté de diminuer le rythme des lives pour essayer de faire des vidéos un peu plus construites, quoi. Enfin, faire un truc peut-être plus travailler du moins. Donc, je pense que faire un live par semaine... Là, je suis à deux pour l'instant. Bon, un live, j'en sais rien. Bon, franchement, faut qu'on en parle, faut que je réfléchisse à ça. Bon, faire un live par semaine, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre sur YouTube aussi des let's play, des rediff best-of, des tests. Enfin, bon, on verra ça en temps en heure. C'est le mec qui fait l'inverse de tout le monde, quoi. Il commence par Twitch, il continue par YouTube. Bon, maintenant, j'aimerais bien. Ce que j'aimerais pour le Twitch, mon ambition là, ce serait vraiment de rentrer dans un cycle nouveau. Hein. Et j'en parle depuis le début. Ce qui serait cool, c'est qu'au moins une fois par mois, on ait une sorte d'émission culturelle, tu vois, ou un débat entre deux potes, tu vois, entre deux potes de la chaîne, et moi en chairman. Putain, ça serait bien, ça serait vraiment cool. Et j'en profite d'ailleurs, tiens, pendant que j'ai ça en tête, j'en profite pour annoncer ici que le dépucelage, la première émission du genre, ça portera sur le Québec, et on essaiera d'inviter notre poteau Nicolai, dont j'ai parlé plus haut. Bah, il vit là-bas, le mec. Et pour parler avec moi, et me reprendre si besoin est. Donc ça moi, j'aimerais bien, vraiment bien le faire, et pourquoi pas l'enregistrer, tu vois. Enfin, ça, on verra ça aussi en temps en heure, ça ne serait pas tout de suite. Notez aussi que tout le monde peut intervenir. Ça ne me pose aucun problème. Mais pas n'importe comment, les gars, s'il vous plaît. Hein. Le gars me dit, j'aimerais bien intervenir. Bon, faut au moins, mec, que tu me dises sur quoi. C'est pas... Parce que bon, si c'est pour me dire que je suis un connard, tout le monde le sait déjà, et moi le premier. Donc ça, c'est pas la peine, tu vois.
Donc voilà, après, vous pouvez aussi proposer des concepts d'ailleurs dans les commentaires ou en Twitch ou en live, peu importe. Les idées, ouais, dans le Facebook par exemple, tu vois, en PV, peu importe. Ah ouais, c'est la famille, hein. Tout le monde participe, bordel de fion. Et puis paniquez pas, il y aura toujours des invités de marque de temps à autre. Il y aura pas que ma sale gueule, c'est bon, calme-toi. Bon, enfin bref, voilà, je pense que là c'est suffisant pour la partie live et YouTube, tu vois. Et je pense que vous avez une vision globale. J'ai dit le principal, l'essence. L'intronisation chez Padawan maintenant. Alors j'ai eu l'immense joie, l'immense honneur de participer à la rétro Metal Gear Solid 5. À Metal Gear, je sais que t'aimes ça, c'est bon. C'est offert par la maison, c'est le patron qui rince. J'ai pas fait les trucs de dingue, mais ça a plu au chef. Alors il m'a proposé tacitement, il m'a rien dit. Tu vois, il est félin, mec, tu vois. C'était tacite, hein, il n'y avait rien de dit, quoi. De faire partie de l'équipe, ça c'est un upgrade, les gars, que je briguais depuis des temps immémoriaux. Hein. Alors me voilà embarqué dans le navire. Et quel navire, putain. Alors je vais faire mon DG, je m'explique. Je vends le produit, bordel. Assis-toi, prends un petit jus et écoute. J'ai traîné mes guêtres un peu partout sur le net et forcé de constater que Panam, c'est quand même une structure intéressante, à plus d'un titre. Et là, sur l'excellence de ses productions, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour ceux qui les connaissent. Que ce soit dans le ton, dans le montage, la critique ou que sais-je encore. Mais ça me renvoie quand même une certaine vacuité, j'ose le dire presque endogène, la majorité du YouTube Galley. Pas tout, j'ai dit une majorité, hein. Calme-toi, j'ai pas dit tout le monde. Et ce YouTube game, il procède vraisemblablement pas de la qualité, de l'originalité, de l'honnêteté ou encore, je sais pas, de l'objectivité, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'est dommage que beaucoup tombent dans les mêmes travers que feu la télé, parce que je pense qu'elle est morte, dans le simple but de faire du chiffre. Il y aura toujours de la prostitution morale ou physique, ça c'est évident. J'irai même plus loin en disant qu'elle est nécessaire, mais bon, heureusement qu'il reste des gens corrects, avec une vision globale de leur œuvre, comme DG entre autres. Bon là je vois déjà Poète Poète Kiki, ça y est, il lui fait les pompes pour pas dire autre chose. Donc pour juguler, tu vois, faut que ces gens-là, ils jugulent la médiocrité, quoi. Et donc je pense que c'est ce qu'ils font. Donc vraiment merci à lui de me faire confiance, je vais faire de mon mieux pour non pas le décevoir. Pour pas décevoir le bonhomme, quoi. Enfin voilà, je pense que l'avenir de Padawan est bon, faut juste motiver les troupes et le bonhomme, tu vois. Bon, ça, c'est pas à moi d'en parler, donc je la ferme et enfin, on verra ça plus tard. Mais vraiment, donc, ça c'est cool. Bon, bah les copains, il reste plus que les remerciements. D'emblée, bah, j'aimerais que vous sachiez que si je cite pas un tel ou un tel, c'est pas forcément qu'il est parti dans les couloirs du temps! Mais bon, c'est aussi que je me dois, faute de mémoire, je me fais vieux et bon, il tend aussi pour le coup, mais aller à l'essentiel. Il est primordial que vous ayez à l'esprit que bah, chaque personne, mais vraiment, même le plus insignifiant des trolls, fait partie de la liste des remerciés, même s'il n'est pas cité. Finalement, vous tous avez contribué, peu ou prou, à l'efficacité de cette chaîne, de notre chaîne. Note, parce que bon, c'est pas seulement la mienne, c'est aussi et surtout la vôtre. Démagogie de PD, etc. Ok, mais bon, moi je suis sincère, c'est le principal, je le sais. Bon, je vais remercier toutes les personnes ayant intervenu. Étant intervenu, donc, Eddie Mitchell, DG, Staz, Alex du Québec, Sid, Gabi, Kirby, Zaya, Saster, Blacky, Tricou, Inquisiteur, le mec de Dijon, qui est vraiment jeune, donc c'est plutôt un moutard de Dijon. Atari, je t'ai vu, c'est bon. Si j'en oublie, bon, j'espère qu'ils me pardonneront. Je vais citer aussi quelques pseudos, bon, histoire de faire quelques dédicaces, tu vois. Je pense à Forgotha, qui est le premier avec lequel j'ai pu parler en audio sur PS4, pour le coup. Cypher, j'ai passé des très bons moments avec lui, j'ai une affection particulière pour ce mec-là. Très respectueux et tout. Al Capone, qui s'est fait rire un chat même vide. Akasafouane, c'est un intime de Shlomo Sans, ça faut le savoir. Fouzati, je pensais que c'était un troll à la base, mais il se révèle vraiment sympa et intéressant. Bodyblaze, sa grêle, Chinquisiteur et son famas, Vielo et sa voix, La France orageuse et ses insultes, Ramzy Turk et ses larmes, June King et sa tablette, Jesse Chou et son Québec, Soul River Dream et sa River, Jajaz et son capitalisme, Tuto Gabin et son âge, Bit Empire et son absence, David Snack et son skill, Dominus et ses débats, Mister Hervé et son silence, Espérisse et ses montages, Lafidane et son armée, merci mon cul et son pseudo, Lord Gwyn et sa fac, et j'en passe, et non des moindres, désolé. J'aimerais aussi remercier un gars. Un petit gars qui, sans même le savoir, hein, m'a donné une leçon. C'est Matrix, DJ Matrix, qui passait des morceaux sur la chaîne il y a un petit moment de ça. Et bah, qui est resté, qui était le seul à rester quand je fus esselé suite au départ pour une prairie, où l'herbe était forcément plus verte, de l'ensemble du chat. Voilà, c'est un gars de 15 piges, je crois, bah, qui m'a fait penser à la parabole des 100 brebis, mais inversée. Bon, là, je crois que c'est Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 18, ça c'est sûr. Les versets, c'est 10, 12, ou un truc comme ça, ou 13, 15, enfin dans les 10, quoi. J'oublierai jamais ce moment, mon pote. Merci à toi, et du fond du cœur. Bon, je remercie aussi, j'étais Gabi, quand même, mon copain. Un petit message pour toi, hein. T'as été disponible, tu fais partie de la famille, t'es modérateur honoris causa, comme DG. Je te connais très peu, au fond, mais je peux quand même te dire que malgré ça, je t'apprécie vraiment.
et je te suis reconnaissant des moments qu'on a passés ensemble en live et en off. Merci à toi. DG, mon poteau, je te suis reconnaissant aussi pour les diverses, pour diverses raisons. Déjà pour les interventions que tu m'as fait sur ta chaîne ou que tu es venu faire toi sur la mienne. Et pour m'avoir accepté chez Paname, quand même, ça c'est pas mal. Et merci aussi pour les excellents moments qu'on a passés ensemble IRL. Et pour moi, c'est véritablement d'excellents moments. C'est pour ça que je mets l'emphase là-dessus. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Notez les gars que le type fait une carbonara de malade. Ça, faut le savoir, les gars. Je termine, parce qu'il faut terminer un jour, parce que je vais appeler la famille nucléaire. Alors, pas la notion stricto sensu de famille nucléaire, hein, deux parents, deux enfants, parce que j'ai couché avec personne, hein, mais noyau familial, nucléaire noyau, je trouve que ça sonne bien et que c'est mieux approprié ici, puisque là je vais parler de l'équipe, hein, l'équipe du stream au fond. Et ce noyau, c'est évidemment Saster, Poète Poète Kiki, Lenny, Sam Fisher, Soaldo, Nico et accessoirement ma gueule. Alors, il y a une assertion très connue dans le milieu catholique, qui est de Cyprien de Carthage. Bon, c'est un père de l'église du 3e siècle, il a cané en martyr, ça faut le savoir, c'est écrit dans le bouquin. Hein. Alors, le mec, il a écrit, alors, pour la petite touche pédante, les gars, calme-toi, Salus, hein, extra ecclésiam non est, et ce qui veut dire hors l'église, point de salut, ça c'est connu. Et qu'est-ce que veut dire église étymologiquement? Bah, assemblée. Assemblée, communauté, je pense que vous voyez où je veux en venir, évidemment, hein, c'est le prétexte pour le point culture, j'ai pas pu m'en passer, putain, voilà. Mais je l'ai vraiment pas choisi au hasard. Donc bon, je vais pas aller plus loin, parce que bon, ça va vraiment finir en sexe, en secte, pas en sexe, évidemment, ce bordel. D'ailleurs, vous savez pourquoi secte, c'est un mot qui est féminin? Bah, tout simplement parce que insecte, c'était déjà pris. Voilà, je suis désolé, je vous demande pardon. Bon, plus sérieusement, je suis heureux, mais vraiment, de vous compter parmi les membres de cette assemblée, communauté donc, et flatté que vous en soyez le noyau. Vraiment. J'espère sincèrement qu'on va continuer à s'éclater ensemble, les gars, et qu'on restera en contact si je me casse du net, parce que ben, on ne sait pas ce qui peut arriver. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ben, je suis sûr, je suis convaincu même d'avoir fait le bon choix vous concernant. C'est vraiment un plaisir que de vous parler chaque jour. C'est vraiment plus. J'ai voulu faire une conscape avec vous parce que je désirais créer une sorte de cohésion de groupe, hein, et une équipe solide pour la chaîne. Mission accomplie avec brio les potes. J'ai appris à vous connaître tous les six en général et chacun en particulier. On s'est échangé des dossiers, on a, bon, mineur, calme-toi, des dossiers, c'est pas non plus des trucs de fou. On a discuté de choses et d'autres. Vous avez été un soutien lorsque je m'essoufflais et un phare lorsque des récifs me menaçaient. Pour tout cela, un remerciement spécial à vous six, mes amis. J'espère seulement que vous pouvez en dire autant me concernant. Voilà, les potes. Un gros bisou à vous. Donc, merci à vous qui êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que ça vous aura fait, que ça vous aura au moins fait sourire, que ça vous aura fait, c'est pas mal ça, que ça vous aura au moins fait sourire. Faites pas les cons parce que je vous surveille, revenez-moi en bonne santé et surtout, 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 putain, faites attention à vous. N'oubliez jamais, et ça c'est important, c'est peut-être la chose la plus importante ici, que pour Fernand le je bande. Allez, bye mes sacs!